d'amour et des passions, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons, des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines. À toi, tu tombes bien. Mais ça va pas toi, mais t'es malade. Johanna, mais qu'est-ce qui te prend? C'est un arnaqueur, il a mis enceinte. Quoi? Espèce de fumier, va. Arrêtez. Les enfants. Oh, mais regardez ce que vous avez fait. Mais ça commence à bien faire toutes ces calomnies contre mon fils, puisqu'on vous a dit qu'il n'a pas touché cette fille. Bah, dis-lui que tu l'as pas mise enceinte, enfin. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Dis-lui, dis-leur. Mais dis-leur que t'es pour rien dans cette histoire! Si, papa. Le bébé qu'attend Isa est de moi. Tu me rends heureux, Camille. J'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est vrai? Oui. Bon, c'est vrai, il y a un certain Serge Colonna qui me fait barrage. Mais bon, à côté de tout ce que j'ai vécu, je crois que c'est qu'une formalité. Ce que t'as vécu? Bah, sortir avec une sorte de requin des affaires, c'est tout sauf cool, hein, je te dirais. Tu penses encore? Non. Sinon, je serai avec elle, tu crois pas? Tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. Je crois que je t'aime, Camille. Moi aussi. C'est vrai? Michel, s'il te plaît, viens vite. Je suis chez les Colonna et Ariane s'est évanouie. Je crois que... Oui. Oui. Mais écoute, je sais pas quoi faire. Oui. D'accord, je t'attends. Serge, c'est votre épouse, elle a eu un malaise. Ariane, mon Dieu! Comment ça, mais qu'est-ce qu'elle a? Bon, ben allons-y au lieu de discuter. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, mon amour, je vais lui raconter. D'accord? Eh bien, c'est la mère de Rémi, elle a un problème. Mais j'espère que c'est pas grave. Si. Avec tous les soucis qu'il lui donne... Mais de quoi tu parles, Johanna? Dès que j'ai vu Rémi, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai mis une baffe. Une baffe? Mais pourquoi? Il a mis enceinte. Quoi? Isa est enceinte? Oui, je vais tout vous raconter. Madame Colonna, Ariane, s'il vous plaît, répondez-moi. Revenez à vous. Qu'est-ce qui vous arrive enfin? Le médecin va arriver. Mon Dieu, je voulais pas vous faire de mal. Ah, Michel, enfin! Mon Dieu! Maman! Ariane? Bon, pas de panique, elle respire normalement. On va tout de même appeler l'ambulance. On va l'emmener à la clinique des Bougainvilliers parce qu'il y a trop d'embouteillages pour l'hôpital. Allô, les pompiers? Vite, c'est pour une urgence. Salut. Ah, salut, c'est sympa d'être passé me voir. Qu'est-ce qu'il y a, Isa? Attends, pourtant, il n'y a personne. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai compris. Repasse quand tu seras plus cool, d'accord? Non, attends. C'est que... Il m'est arrivé quelque chose. Arthur, toi et moi, ça ne peut plus aller. Il vaut mieux qu'on se sépare. Non mais attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Si,
contraire, je t'adore. Mais justement... Alors quoi? C'est terrible, n'est-ce pas? Tomber enceinte par accident n'est pas quelque chose d'enviable. Mais le pire, c'est quand tu sais que le père de cet enfant ne prendra jamais ses responsabilités. Enfin, j'ai déjà beaucoup entendu parler de ce genre d'histoire. Oui, bien sûr. Bon, moi je vais aller voir Isa. J'imagine qu'elle a vraiment besoin d'une maman à ses côtés en ce moment. Ah, si seulement Nadine était là. Elle en serait morte. Écoute, Isa, les prises de tête, c'est pas mon truc. Alors, ou tu t'expliques clairement, ou alors... C'est que je suis enceinte de Rémi, voilà. Quoi? Ah ouais, c'est ça. Vous êtes foutus de ma gueule, hein, tous les deux. Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous. Il n'y a rien eu. Pour moi, il n'a jamais rien eu. Je t'ai déjà expliqué comment ça s'était passé. Pardonne-moi, Arthur. Ouais, tu m'as pris pour un con, Isa. Avec moi, tu as joué les vierges effarouchées avec Rémi. Ouais, Marc. Heureusement qu'il s'est rien passé entre nous, sinon tu aurais pu me coller ce môme sur le dos. Je n'aurais jamais fait ça, Arthur. Allez, Isa, c'est pas grave. Je t'en veux pas, tu sais. Mais tu comprendras que toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Hein? Alors je te souhaite bien du bonheur à toi et à Rémi. Ok? Pauvre Ludo, vous traversez une période difficile. Mais tu sais que tu peux compter sur moi. Ouais, je sais, Cynthia. Merci beaucoup. Allô? Hey, brother. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est sympa de ta part de m'interdire de m'amuser avec ta sœur, surtout quand tu savais qu'elle l'avait déjà fait avec un autre. Ah, ok. Je vois que t'es déjà au courant. On va devoir vous opérer aujourd'hui, Ariane. Mais vous inquiétez pas, hein, le professeur Gallet est un spécialiste. Il a déjà réalisé plus de 1000 interventions du même genre. Oh, docteur, je ne peux pas rester dans cette clinique. Cette opération va coûter une fortune. Ne t'occupe pas de ça, ma chérie. Hein? Même si je dois m'endetter à vie, je veux qu'on te soigne. Ton rôle à toi, c'est de voir la vie en rose. Et de rester zen afin que tout se passe bien. Je parle à personne, Johanna. Et regarde avec qui je suis venue. Jessica, t'es au courant? Laisse-moi seule avec elle. Ok, je vous attends là-haut. Alors, comment tu te sens, ma puce? Comment tu veux que je me sente? Je peux pas comprendre. Toi, quand t'as eu Christian, t'étais mariée avec le père de l'enfant que t'aimais le plus au monde. Moi, je ne désire pas cet enfant. Je déteste le père. Et dis-moi, ton petit ami Arthur, il est au courant? Mais oui, je lui ai dit. Si seulement cet enfant était de lui. Ou si seulement il l'avait cru. Mais je n'ai jamais eu de rapport avec Arthur, Jessica. Puis jamais je n'accepterai de faire une chose pareille. Je suis peut-être pas la fille la plus droite, mais je n'aurais jamais fait ça. Comment elle va? Elle a repris connaissance? Oui, elle est sous perf et on a réussi à stabiliser sa tension. Mais je ne vous cache pas que cette fois, on est passé très près du drame. Hein. Mon Dieu, mais comment j'aurais pu savoir? Mais tu pouvais pas, ma chérie. On a vu avec le professeur Gallet, on va l'opérer aujourd'hui même. Faudrait qu'on prévienne Jimmy et Camille quand même. Je préfère qu'on avertisse que Camille. Je veux éviter que Jimmy s'angoisse. Vous avez raison. Inutile de l'affoler pour rien. Hein. Comme ça, après l'opération, il va retrouver sa maman en pleine forme. Mais Camille n'a pas de portable. Alors, vous allez la prévenir comment? Quelqu'un sait où elle est? Moi, j'ai le numéro de l'amie avec qui elle est. Comme Émilie devait passer un peu de temps avec eux, voilà, je voulais être en mesure de la contacter. Bon, maintenant que ma patiente est entre de bonnes mains, je vais aller tirer ça au clair avec Isa. Vous voulez bien rester avec Ariane? En cas de besoin, on sera dans la salle des infirmières à côté. Ok?
Je vais appeler Camille. Ne réponds pas. Je rappellerai plus tard. Bon, ben, on rentre voir Madame Colonna. Oui, mais avant, je voudrais te dire ce qu'il y avait dans la lettre que j'ai adressée à papa avant de partir. Moi aussi, si on allait chercher à manger. Bon, bah j'y vais. Bah je vais avec toi. Bah attends Jimmy, t'as même pas pris d'argent. Si, si, c'est bon, allez, j'en ai. Il est hallucinant ton cousin. Toujours sur le coup. Ça, c'est de famille. Au moins, on est tout seul. Écoute, j'ai parlé avec Aurélie et elle ne l'a pas prise. Et de toute évidence, papa non plus, parce que j'en aurais entendu parler, c'est sûr. Et personne d'autre est entré dans le studio ? Johanna. Elle voulait savoir comment j'allais. Si c'est elle, je vais vite le savoir, alors. Ça va, maman. Dis-moi, ma chérie, mais franchement, je suis en train de vieillir. T'exagères. Toutes les filles aimeraient avoir ton corps et ton visage. Regarde-toi, t'es très belle. Mais ben voilà, tu viens juste de le dire. Je suis plus aussi jeune. Si je te dis ça, c'est pour t'embêter. Parce que j'en ai marre que tu te comportes comme une adolescente. T'attends Julien, t'as l'air d'être heureuse avec lui. Il a l'air de t'aimer. Tu devrais pas t'en faire. Merci mon bébé. Ah, bonjour Julien. Alors, bien dormi pour ta première nuit officielle ? Merveilleusement. J'adore cette musique, tu veux pas qu'on danse ? Oh non, pas maintenant, je suis fatiguée. Je m'entraînais juste pour samedi soir. Il me tarde tellement d'être dans les bras de Thomas, si tu savais comment il me plaît. Je l'adore. Ta sœur, sait qu'il te plaît ? Je lui ai pas vraiment dit, mais je pense qu'elle s'en doute. Bah, tu devrais en parler ouvertement avec elle. Tu sais, ils sont toujours fous ensemble. Bah, c'est normal, c'est son meilleur ami. Elle sera ravie quand elle apprendra que je sors avec lui. Parce que tu sors avec lui ? Bah non, pas vraiment, mais j'espère que ça va se faire le soir de mon anniversaire. Tu sais, mon petit, je voudrais pas te faire de peine, hein, mais... Aurélie... Ah non, c'est bon, tu arrêtes avec ça, arrête d'être méchant. On vient juste de se réconcilier, et la seule chose qui manque à mon bonheur, c'est que vous soyez enfin amis tous les deux. D'accord ? Allez. Moi qui me croyais seul au monde, je vais enfin être avec des garçons, des filles, aveugles comme moi. Je serai plus différent. Tu trouves pas ça génial, maman ? Génial, oui. Génial aussi qu'on vous fasse croire que vous allez tous avoir une vie normale. J'avais envisagé de te mettre dans cette école avec toutes les meilleures intentions du monde, mais là, Raphaël, non. C'est impossible. Non, je ne peux pas te laisser aller dans un endroit où tu seras exposé en permanence à des dangers, tu comprends ? Maman, arrête. C'est bon, recommence pas. La directrice a bien dit que c'était des professionnels. Les élèves sont en permanence supervisés et encadrés. Oui, ça, c'est ce qu'elle raconte. Mais maman, c'est son métier. Oui. Et elle est aussi directrice d'une école qui coûte très cher. C'est une commerçante. Maman, arrête, c'est bon. On s'est très bien renseigné. C'est une école qui a une excellente réputation. Peut-être. Mais je sais aussi que personne au monde ne saura s'occuper de toi comme moi je le fais.
Je ne peux pas accepter de te laisser partir, Raphaël. Si j'accepte cette folie, je m'en voudrais toute ma vie. Maman, là, tu vas trop loin. Comment va Isa? Elle a été très éprouvée ces dernières semaines. Elle est épuisée, elle s'est endormie. Mais pourquoi elle m'en a pas parlé plus tôt? On aurait pu trouver une meilleure solution que... Que quoi? Vous l'auriez fait avorter? Pourquoi pas? Vous pensez qu'elle aurait accepté? Ça aurait été une bonne solution, mais... Mais c'est trop tard. Mélanie en a déjà parlé au père de Rémi, et connaissant les Colonna, ils laisseront jamais faire ça. Ils vont sans vouloir que Rémi reconnaisse l'enfant et qu'il se marie? Pas bête. Ils hériteraient d'une belle dot. Je pense pas qu'il soit comme ça. Non, puis d'après Christian, ce sont des gens très honnêtes. Enfin. Attendons de voir ce qui se passera. Mais dis-moi, Joanna, j'aimerais bien qu'on parle sérieusement toutes les deux. Pourquoi est-ce que tu veux absolument obliger mon fils à partir avec toi en métropole? C'est quoi cette histoire, Jessica? Je n'ai jamais demandé à Christian de venir où que ce soit avec moi. Il savait bien. Alors c'est pas toi? Certainement pas. J'étais la première surprise quand il me l'a annoncé. Vous l'avez vu? Ah oui, mais j'ai cru que tu jouais la comédie. Merci pour ce que vous avez fait pour ma femme, docteur. Rien de plus normal. Je suis désolée, monsieur Colonna. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Je ne savais pas qu'elle était malade. Ce n'est pas de votre faute, mademoiselle. Le voici, le responsable. Le responsable de tout. Du choc de sa mère et de la grossesse d'une jeune fille. Isabelle est la fille d'amis très chers. Et depuis la mort de leurs parents, ma femme et moi, nous nous sommes fait un devoir de les parrainer. C'est à ce titre que j'ai l'obligation de vous demander des explications, monsieur Colonna. Ben vas-y, Rémi. Explique au docteur. Je suis désolé, mais ça s'est passé, et voilà. Quoi? C'est tout ce que t'as à dire? Je suis désolé, et voilà? Non, calme-toi, Ludovic. On est là pour mettre à plat les choses et trouver des solutions. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur Colonna? Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Rémi assumera son geste. N'est-ce pas, Rémi? Évidemment. Je laisserai pas Isa passer sa grossesse toute seule. Et je reconnaîtrai officiellement l'enfant. Voilà. L'enfant portera le nom de son père. Les Colonna affrontent toujours leurs responsabilités. Et si la petite le veut, Rémi pourra même l'épouser, n'est-ce pas, Rémi? Ouais, bien sûr. Si elle le veut. D'ailleurs, je ne comprends rien à ce qui se passe. J'adore Christian, mais il est bizarre en ce moment. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. C'est évident. Et si cette envie de partir n'a rien à voir avec toi, ça vient de quelqu'un d'autre. Mais de qui? Je crois qu'il y a une autre fille. Non, mais c'est idiot de penser ça, Joanna. Si Christian avait une autre fille dans sa vie, je vois pas ce qui l'empêcherait d'être avec elle. Et pourquoi il voudrait la fuir en partant avec toi en métropole? Tu y arrives? Ouais, ça va, je me débrouille pas trop mal. Pas à la vitesse de l'éclair, mais bon. On peut pas avoir tous les talents d'un coup. En tout cas, ça débloque bien l'adresse. Ça peut toujours servir. Quand t'as ce petit sourire-là, je m'attends au pire. Tu parles pas de caresses ou d'autres choses? Tu sais très bien que j'ai pas besoin de cours pour les caresses. Attends, nous les aveugles, on est naturellement doués pour ces choses-là. On est sensuels, on est tactiles. Bref, vous nous arrivez pas à la cheville. C'est clair. Attends, tu serais pas en train de prendre la grosse tête, là? Je te taquine, idiot. Ah, d'accord. Non, n'empêche que... Il me tarde de savoir lire et écrire. Imagine. Je pourrais lire les poèmes que j'écris à Aurélie. Avec ça, je marque des points à coup sûr. Et je tiens tellement à ce qu'elle soit fière de moi. Arrête, Raphaël. Arrête de vivre en fonction d'Aurélie. T'es en train de fantasmer pour rien. Comment tu le sais? Ce n'est pas toi qu'elle aime. Si Christian n'a pas d'histoire avec une autre fille, je ne vois vraiment pas. Pourquoi est-ce qu'il a rompu avec moi sans raison et le lendemain, il me relance sans explication? Et pourquoi il veut quitter l'île? J'y pense. Peut-être que Cynthia, c'est quelque chose. Non, je crois pas. En plus, ils ont pas de très bons rapports en ce moment. Depuis qu'on est rentré de voyage, il s'adresse à peine la parole. Mais justement,
Avant, ils étaient amis. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Dites, et si Cynthia était responsable de tout ça? Et pourquoi? Au départ, c'est elle qui voulait partir. Attends, comment ça, elle voulait partir? Excuse-moi, Johanna, mais je comprends rien à ce que tu dis, là. J'ai trouvé cette lettre dans les affaires de Cynthia. Elle est écrite au docteur Alban. Elle dit qu'elle veut partir et elle demande à ce qu'on ne la recherche pas. Tenez, lisez. Papa, je sais que ma décision de disparaître de ta maison et de ta vie va te bouleverser. Mais je t'en prie, ne m'en veux pas. Te voir heureuse avec une autre femme que ma mère me fait trop mal. Je ne m'entendrai jamais avec Jessica. Trop de choses nous séparent. Et je me sens mal avec ce demi-frère que je ne connais pas. Oublie que j'existe. Il est possible, en effet, comme le dit ta femme, que je sois arrivée dans ta vie pour détruire ta famille. Cynthia. Et je suis sûre que c'est la raison pour laquelle Christian a voulu partir. Elle sait qu'il ferait tout pour éviter de faire souffrir son père. Si c'est le cas, va me le payer. Et cette lettre est exactement la preuve dont j'avais besoin.